secteur démocratique et populaire là, réuni dans Port-au-Prince avec tout département Grand Nord, Centre, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Latibonite et tout militant dans Port-au-Prince pour que à la nation nous dit de façon très claire mais qui chemin secteur démocratique là apprend dans le cadre résolution crise qui a ravagé le pays. Militants de partout, nous voyons un gros coup de chapeau pour nous. Nous connaissons jusqu'à présent, il y a un pile militant en prison, il y a un pile militant qui a souffert de handicap. Cause, pouvoir PHTK tête caléa, mettons répression systématique dans le pays pour courir des militants. Pendant que nous faisons rencontre ça, il y a une autre rencontre qui a fait le même genre dans le Grand Sud, qui réunit Grand Danse, Sud, Nip, Sud-Est avec région Les Pales. Deux réunions, ça y est, ont le même objectif, c'est fixer position secteur démocratique là dans le cadre résolution crise. Secteur démocratique là toujours dit le pays a besoin de consensus largement large qui implique tous les acteurs de la vie nationale. Et c'est un accord comme ça que le pays attend, que le peuple haïtien attend pour sortir dans sa lié là. Et bien c'est dans ce sens ça, nous gagnons ensemble de monde qui prend parole, c'est le monde qui sortit en dans le département avec Maître André Michel qui va entretenir nous. Merci. Nous-mêmes dans le département, nous venons là pour nous dire tout acteur. Yo dégagé au pressé pour jouer nous à quoi. Nous demandons des secteurs progressistes, société civile progressiste, pour être capable de rejoindre le secteur démocratique là, qui fait 5 ans à bataille. Je dis à nous demander pour tout le monde venir avec proposition par sous table. Et ça nous-mêmes, militants dans le département, nous demandons pour faire au fond fusion pour nous sortir du pays à l'ensalier aujourd'hui. Parce que nous avons des militants qui ont souffert dans la prison au Caï. Nous avons des militants qui ont souffert dans la prison Port-au-Prince. Nous avons des militants qui ont souffert dans la prison Mibale, Sides, Grandes, tous les côtés dans le pays. Et ça fait aujourd'hui à nous-mêmes, dans le département, nous venons là pour nous parler avec les vrais acteurs, pour nous chiter ensemble, pour nous jouer encore, pour nous capables de sortir du pays à l'ensalier là. Et nous connaissons la constitution en dit clair. C'est nous exécutifs avec des têtes pour nous gagner. Mais je dis à moi, les blancs viennent bon nous question gouvernement, nous ne comprenons pas. Et ça qui fait nous dire, il faut gagner un président, il faut gagner un bon premier ministre, à tout ministre, à tout gouvernement. Et ça qui fait nous venir là, je dis à moi. Nous demandons tous les acteurs, pressé, dans le week-end ça même. Puis on joue nous encore, puis on sortit pays à nos alliés. Non, 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 non. Maintenant, on sait Carvin Lager. Débattement. Fatal. Et puisque ça arrive, on a demandé aux dirigeants secteur démocratique là pour continuer dans la même lancée. Même ça, ils continuent à faire. Côté que, ils ont demandé pour nous gagner, pour nous rentrer dans le consensus, pour nous gagner. Accord largement large. Largement large avec tout secteur de la société. Que ces sociétés civiles, que ces sociétés politiques. Nous demandons pour nous capables de gagner un accord largement large pour nous capables de sortir du pays dans la situation que nous avons là. Parce que pour le moment, nous n'avons plus.
politique. Mais il faut qu'il y ait une décision qui soit. Mais décision faut sortir à travers société civile et société politique. Dirigeant secteur. Dirigeant secteur politique. Dirigeant secteur démocratique. Nous demandons pour continuer sous même l'océan, négocier à travers un accord. Pour mettre un accord large en large pour sortir de la situation. Merci. Merci, madame. Nous donner la parole au territoire. Nous sommes Mère Joseph, nous sommes avocates, professeurs et puis militantes féministes. Nous sommes dans le département Nord-Est. Malgré nous connaître que Nord-Est, c'est pas PHTK. Malgré nous connaître que le président, président de facto, Jovenel Moïse, lui-même, il lui sorti dans le Nord-Est. Mais ça va t'empêcher que nous-mêmes, nous sommes frustrés par rapport à Jean que ancien président ça t'a fondé pas de pays. Et je dis à faut que société haïtienne, faut que monde qui accapare le pouvoir, faut que international la comprenne que peuple n'a pas aussi criminel même gens avec pouvoir PHTK. Parce que là nous regardons comment peuple a concevoir la mort tragique ancien président de facto. Ça fait nous comprendre que la paille là a mangé paille et c'est même net ça qui continue à accaparer pouvoir. Et nous-mêmes, au niveau SDP, qui porteurs de doléances, nous réunis ensemble pour les tous départements présents pour nous faire un complot positif, pour nous faire sortir de crise, pour nous garder les manger, même gens. Ancienne, première dame, quand elle dit, la garde des criminels de l'ONANGE, pour que nous gardions l'ONANGE pour nous avancer avec notre transition de l'ONANGE. Bon, maintenant, nous-mêmes, dans le département où nous venons là, pour nous dire tout acteur, pour nous dégager, pressé, pressé, pour nous jouer nous à corps. Nous demandons des secteurs progressistes, société civile progressiste, pour nous capables de rejoindre le secteur démocratique là. Qui fait 5 ans à bataille, je dis à nous demander pour tout le monde venir avec proposition par sous table. Et ça nous-mêmes, militants dans le département, nous demandons. Puis faire au fond fusion pour nous sortir du pays à l'ensalier aujourd'hui. Parce que nous avons des militants qui ont souffert dans la prison au Caille. Nous avons des militants qui ont souffert dans la prison au Port-au-Prince. Nous avons des souffert dans la prison Mibale, Sides, Grandes, tout côté dans le pays. Et ça fait aujourd'hui à nous-mêmes. Dans le département, nous venons là pour nous parler avec vrais acteurs, puis nous chita ensemble, puis nous jouons un accord, puis nous sommes capables de sortir du pays à l'ensalier là. Et nous connaissons la constitution dit clair, c'est nous exécutif avec des têtes pour nous gagner. Mais je dis à moi, les blancs viennent bon nous question gouvernement, nous ne comprenons pas. Et ça qui fait nous dire, il faut gagner un président, il faut gagner un bon premier ministre à tout. Ministre à tout gouvernement li, et ça que nous venons aujourd'hui. Nous demandons tout acteur pressé, pressé, dans le week-end ça même, puis nous avons accord, puis nous sortir pays à nos alliés. Non, yes. Non, maintenant, c'est Carvins Lager. Oui. Débattement. Et puisque ça arrive, nous demandons dirigeants secteur démocratique là. Pour continuer dans la même lancée. Même ça, vous continuez à faire. Côté que. Yo mande pour nous gagner, pour nous entrer dans le consensus, pour nous gagner. Accord largement large. Largement large avec tout secteur de la société. Que c'est société civile, que c'est société politique. Nous demandons pour nous capables de gagner un accord largement large pour nous capables de sortir du pays dans la situation que nous là. Parce que pour le moment, nous n'avons pas. Politique. Mais il faut qu'il y ait une décision qui soit. Mais décision faut sortir à travers société civile et société politique. Dirigeant secteur. Dirigeant secteur politique. Dirigeant secteur démocratique. Nous demandons pour continuer sous même l'océan, négocier à travers un accord. Pour mettre un accord large en large pour sortir du pays. Merci pour la solidarité. Merci, madame. Je suis là avec nous. Nous donner la parole au territoire.
Nous sommes M. Edeline Joseph, nous sommes avocats, professeurs et militants féministes. Nous sommes dans le département Nord-Est. Malgré nous connaître, Nord-Est, c'est pas CHTK. Malgré nous connaître que le président de facto, Jovenel Moïse, lui-même, il sorti dans le Nord-Est. Mais ça n'a pas empêché que nous-mêmes, nous sommes frustrés par rapport à Jean, que ancien président, ça a fondé pas de pays. Et je dis, il faut que la société haïtienne, il faut que le monde qui a préparé le pouvoir, il faut que l'international la comprenne que le peuple n'est pas aussi criminel, même Jean avec pouvoir PHTK. Parce que là, nous regardons comment le peuple a concevoir la mort tragique, ancien président de facto. Ça fait nous comprendre que la paille là a mangé paille et c'est même net ça qui continue à accaparer pouvoir. Et nous-mêmes, au niveau SDP, qui porteur de doléances, nous réunis ensemble pour tout département présent pour nous faire un complot positif, pour nous faire sortir de crise, pour nous garder les manger, même gens. Ancienne, première dame m'a dit, la garde criminelle de l'ONGE pour que nous gardions l'ONGE pour nous avancer avec notre transition de l'ONGE. Merci. Bon, maintenant.